Ah ouais, j'avais oublié de démarrer. Attention, speedballer. Dis bonjour à YouTube. Speedballer ne veut pas dire bonjour. Et on dit pas un speedballer, on dit un speedballer. Speedball. What? Je crois qu'il y a un bull là. Ah mais putain, il voulait pas mourir. Ah, deuxième. I called for Molly. C'est un speedballer. Ok. Let's show them some pain. Ils sont pas cassés du tout hein, les hitbox, ça fait plaisir. Oh ça va encore. Moi une hitbox qui est un peu pas droite, je te merde en direct. Hein. Je pense que dans les jeux de combat t'as pas le droit d'avoir des hitbox nuls en fait. C'est interdit. Ah c'est compliqué après. C'est pas un plateforme lol, on s'en fout que les ennemis soient pas très bien design. C'est un élément du jeu mais c'est pas l'élément du jeu tu vois, c'est... Bon ok d'accord. Ok. Bon par contre là non, c'est pas acceptable. Ah bah c'est bien, il nous fait tout seul, formidable. D-Rock seriously need to invest in some better equipment. Oh là là, par contre... Ah ouais, il y en a encore ici hein. Nitra. Du Nitra. Attends, je crois que je peux aller le chercher. Pop 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 pop, excellent. Sweet. Dommage c'est qu'on n'est pas des vrais nains quoi, tu vois, avec une vision nocturne. Ouais, genre quand c'est trop sombre ça passe en noir et blanc tu vois. D'accord. Au lieu d'être dans un noir complet. Pourquoi ça? Je veux dire. Ouais. Là nous normalement en fait hein, Renin, t'es censé bien y voir là avec nos bouquettes hein. Là, on est censé y voir deux ouf hein, même pour être exact. Oui, mais on aura besoin de toi par ici hein. Pas très, hein. Ah ouais mais... Ah monsieur, j'ai ramassé une pépite d'or. Your time is up, creep. Un peu abusé sur la mousse hein. Mais pas la bonne mousse là, tu sais la mauvaise mousse, celle qui ne se boit pas, celle qui est dense là, sur laquelle on rebondit là. Parce que tu sais, il y a la bonne et la mauvaise mousse, tu vois. C'est un peu comme la bonne et la mauvaise pression. Oh qu'est-ce que vous adorez ma blague sur la bonne et la mauvaise pression. Incroyable. Vraiment la meilleure blague. Ah bah on en est tous dingues. Hein. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ah. Pourrais-tu trouver un event? Je viens d'appeler un pote, visiblement. Visiblement, je viens de déclencher un événement. Ah, j'espère pas parce que je suis bon. Mais non, t'es à côté.
Je sais même pas où t'es, hein. Non, mais on est perdu, hein, dans... moi je suis perdu dans ce truc. Hein. Ouais, cheese t'as fait. Ah non, mais il y a des loot, tu vois, donc moi tant qu'il reste du loot, je peux pas tout à fait quitter la zone. Vu que je suis à peu près toujours là où on était, en fait. Où je vois que t'es plus d'ailleurs. Et où il y a une patte de dinosaure à récupérer là. Une patte de. Dinosaure quoi. Ouais, c'est un dino, c'est un zor. Voilà, c'est un dinosaure quoi. Bon, j'appelle la mule. Ouais, j'appelle la mule. Et visiblement, il y a un truc par là, mon rêveur. Vu que t'as l'air d'être sur le niveau de couche du truc, je t'annonce, il y a un truc normalement par là qui brille en vert. Que t'aurais dû laisser, je crois, un caillou qui brille. Le jadis ? Ouais. C'est ouais, peut-être un jadis, ouais. C'est un jadis, monsieur. Eh bien. Je vous le confirme. Très cher ami. Alors, où est-ce que ça mène ? Ça mène. Un tunnel, nice. Les tunnels, c'est bien. Les tunnels, ça donne souvent des fleurs. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait du champignon hein, pendant que t'avais le dos tourné. Hein. Ouais, bah, c'est un peu. Alfonso sera fier de toi. J'ai attaqué tout le village de Todd, là, on est bien. Hein. J'ai éclaté les Todd, j'ai éclaté la fleur. Je te calme tout de suite. Ah ça y est, j'avance. Ça y est, j'avance. Ah attends, je suis où? Ok. J'ai pas déjà été ici? Non, si. Si. Ok, là il y a une platoon. I'm not scared of you. Régler à la pioche à l'ancienne. Oh, à l'ancienne, ma gueule. Oh. Quand est-ce qu'ils vont nous mettre un berserker pioche H quoi? Oh, bah là, j'avais je me régale les jours là. J'avais pas vu, mais en fait, si, y a un event. Bon, bah, let's go. Tu viendrais pas d'appeler la mule là? Non, j'ai absolument pas appelé la mule. Tu as lancé un événement sans moi là? Non, absolument pas monsieur. C'est ce que t'es en train de faire là, Dream. Non, parce que de toute façon, dans tous les cas, avant de le lancer, il va falloir que j'aménage là. Mais c'est encore un truc de machin blanc là pour les matchs. C'est pas forcément. Ouais, c'est ça. Ah, mais putain, je vais encore le faire pour zéro. Non, mais non. Ce jeu est injuste avec moi, je pense. Mule powering up. Good work. Je pense que ce jeu me punit pour tout le temps que j'ai passé sur Circuit. Alors je vais dire, il est assez injuste avec tout le monde parce qu'en fait, en général, je trouve quasiment pas d'event. Le jeu a dit non. Ah ouais, donc là, il a décidé que parce que moi j'avais rien, peut-être pas le fait que t'as rien, mais le fait que tu sois. Ok, donc où est les vents? Il est là. Non mais attends, tu le lances pas. Tu le lances pas. Il est techniquement, il est en bas. Attends, il y a encore du. Aussi là-haut, attends. Tu, ah oui, tu fais rien. Fond, tout. Non, mais il y a du bismore aussi. De toute façon, moi je déclencherai. Hein, ouais, non, pour l'instant, on fonce. Il y a déjà 10 encore à les chercher. Bah ouais, mais tu peux pas aller les chercher. Si, je vais aller les chercher. Et pense, il y a du nitra aussi. Je vais prendre le nit. Vas-y, je prends le nit. Ok. Vas-y, je prends le nit parce que je peux y accéder avec une plateforme. Regardez ça, vous voyez ou pas? Ah. Alors, dans ces cavernes, un petit éclaireur quand même, ça aurait été pas désagréable. Hein, parce que là, c'est chiant. Là, pour lancer les torches au plafond, c'est compliqué. Alors. Ok. J'ai commencé à réassembler une mule, hein, moi en bas, hein, en fait. Hein. Ah, vas-y, fais-le. Mais Ah, mais toi, t'en as terminé une ici? Ou c'est ouais, moi qui en ai terminé une en bas? J'en ai fait une, moi. D'accord. Donc, l'autre, il m'a manqué une patte, mais j'ai pas trouvé la papatte. J'ai pas trouvé dans le coin la patte. Il va vraiment par contre falloir. Bah, les casques, faudrait que je me remette les grenades qui tuent, hein, parce que là. Je sais pas quoi.
fais pas de dégâts si tu veux. Je suis un nain américain moi, si tu veux si ça explose pas, je me sens perturbé. Ouais, c'est Michael Bay quoi. Ouais, bah c'est ça. Hein. Moi je sais qui a fait le jeu. Hein. Tu sais, c'est basé sur une idée de qui. Hein. Y'en a qui disent c'est Steven Spielberg, des conneries. Hein. On sait très bien que c'est Michael Bay. Écoute, on a un petit peu de pognon. Hein. Je t'avoue, si on pouvait éviter de crever ici, ça serait pas mal. Ah bah tiens, là t'as une patrouille. Je retourne vers ma bulle. Je vais prendre Guipon basse, mais je retourne vers ma bulle. Ouais, je voulais savoir c'était quoi ce truc là, que j'ai devant moi. Alors attends, t'es où? Ah bah ça c'est pareil, c'est des fleurs. Ah t'as, donc t'avais récupéré ce qu'il y avait dessus. Ouais, alors prends ta zapette et clique dessus, il va te le montrer. Il va te montrer ce que c'est. Tu vas voir, noix d'amidon. Ah oui, c'est les noix d'amidon. D'accord, c'est le truc que j'avais pas vu. Ok, nice. Ok, ok. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette salle là? Dans cette salle, bah il y a ma mule. Ok. Il y a ma mule, normalement il n'y a plus rien. Ah si! Oh! Petite saloperie là, tu crois que je t'ai pas vu là? Hop, au lance-grenade. Attends. Putain! Le barbare. Ouais, mais t'es mignon, moi je suis aux pompes, hein. Je touche rien sinon. Hein. Sinon, je suis bon pour lui vider mon fusil à pompe intégralement pour pouvoir le tuer à cette hauteur. Alors ça fait bloop bloop, mais ah oui, ça fait bloop bloop par là. Par là où t'es. Ah, il est là. C'est bon, on peut y aller. Ah, mais non, mais t'es sérieux, je me suis emballé avec une patte pour rien. Mais tu sais qu'il y avait deux, il y avait deux pattes là juste à côté. Hein. Mais j'avais déjà mis deux pattes. Ah non, putain, je les ai pas vues. Non, mais il y en avait encore deux en théorie. Putain, je les ai pas vues. C'est pas grave, j'ai trouvé de l'argent. Moi, je suis revenu pour tuer un insectozoïde. Ah merde, je croyais que t'allais dire putain, ma vie c'est de la merde. Oui, aussi, mais pas que. C'est vrai que surtout, mais c'est vrai que quasi essentiellement, enfin bon, bref. Mais pas que uniquement. C'est ça. Ah ah! Ah, mais y'a du stuff par là qui traîne. Je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, 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 je pense qu'on a fait le tour. Pas, alors. T'as fait le tour là où j'ai récupéré le bout d'or là? La pépite. Ah, mais il est là, que truc, d'accord. Ah, quoi cette merde? Ça. Alors, ça. Attends. Ah, c'est. Ok. Mais le gisement, du coup, il est où? Mais attends, c'est bizarre. Pourquoi il y en a qu'un? Ils sont tous enterrés, quoi. Hey, Driller, oh, il est où ton gisement? Là, j'ai un ami. Ah, mais si, ça y est, je sais ce que ça va être. Alors, je t'explique. C'est des cursus. Alors, dans cette mission-là, il va y avoir des mecs qui vont avoir un abdomen qui ressemble à un caillou jaune et bleu. Enfin, il va y avoir principalement un gros caillou jaune et bleu sur eux. Donc ça, c'est un cursite. Donc je t'explique. La machine là, que j'ai déterrée, ouais. elle va envoyer des sortes de petites capsules bleues. Ok. Faut les ramasser. Ah, attends, non, c'est les cursites. Non, non, d'accord, attends. Je me trompe. Ok, je me trompais. Donc en fait, il n'y a rien. Non, non, non. Oui, ok, bah j'ai dit de la merde, excusez-moi, parce qu'il y a un autre event qui ressemble. C'est juste qu'en fait, là, il va falloir qu'on détruise les cursites, d'accord? Ok, donc les bêtises. C'est un cursite, mais oui, je suis d'accord. Alors, mais je suis au 4 tiers. En gros, c'est simple. Écoute-moi, un cursite, c'est n'importe quel mob. Ça peut être un soldat, ça peut être un cracheur d'acide, ça peut être une préto qui va être un peu différente. Donc elle va avoir deux cristaux sur elle, un gros jaune et un bleu. Ok. Le but c'est de les exploser. Et quand on les a explosés, elles vont lâcher leur pierre jaune. La pierre jaune, on doit la rentrer dans ce module là. Donc c'est des mobs avec de l'or quoi. C'est des Pokémon dorés. C'est un peu ça. Ok. En gros, là où t'encaisses. Là, je vais faire. Attends, Mais dégage la mini-mule là, putain. Attends, faut les dégager. Attends, je la C4, fais gaffe à toi. Voilà, ça c'est fait. Faut dégager les mini-mules parce que sinon je peux poser autour. Voilà. Histoire qu'on soit quand même tranquille. Voilà. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas poser ta tourelle. T'en as combien des tourelles? T'en as qu'une ou t'en as deux? Je ne sais pas pourquoi, mais j'en ai qu'une seule. Ah, je crois que oui, parce que moi j'ai la une, mais ultra vénère. Ouais, bah tant mieux. Tant mieux. Je pense que de la mettre là où je suis, tu
tu vois, là où je suis, et qui regarde. Alors attends, je suis en train de me servir un café, tu disais mon poulet. Tu vois, je verrais bien ta... Regarde où je l'ai mise en fait, et elle voit normalement ton accès. Elle a l'accès de tir là. Yes, ok. Non, t'as pas les... T'as pas de mine toi. Toi t'as pas de mine, t'as les... Non, j'ai les trucs là qui zouk, j'ai le nain qui zouk. Ouais, ok, ok, bah hésite pas à les utiliser. Ouais, bah ouais. Ah, et par contre j'ai plus de... Ouais, je vais peut-être me prendre... On a un peu de nitrate de côté ou pas là? C'est comment? Attends. Nitra 216, ouais. On en a un peu. Parce qu'en fait j'ai plus de... Non mais vas-y, je vais claquer mes autres munitions. Vas-y, on fait ça comme ça. Paris, c'est quand tu veux. Ok. Alors attends, je te préviens, hein, j'appelle la capsule en même temps. Hein. Moi je lâche tout en même temps, c'est la guerre. Hein. Attends. Je m'aménage quand même encore un petit peu. Là on est pas mal. Ouais. Ah, vas-y, tu peux. J'insère la clé. Voilà. Oh, on dirait là, le marteau de Thor. Non, on dirait que t'as rentré le marteau de Thor et tout. Ouais, et regarde, tu vois. Bon, tu vois, le pod ici, il mine là. Enfin, il s'ouvre. Ouais. Et maintenant, tu mets les charges. Donc, tu vas devant, tu restes appuyé sur maintenir ta touche. D'accord. On fait des trucs là. Je vais faire le dernier. On rentre chaque pile, quoi. Ouais. Vas-y, let's go. Ok, ça va être la guerre. Alors je t'explique, quand on a fini la mission, tous les mobs qui vont pop avec l'event là, ils vont être détruits automatiquement. D'accord. Tiens, au-dessus de toi, regarde au-dessus de toi, c'est des prêtres, j'ai besoin de ton lance-grenade, là, ici. Tu vois, c'est ça les grenades. Mais t'as quoi là, le disque laser? Non, j'ai plus de munitions en fait. Et bah vas-y, recharge. Tu prends, prends, ça va se faire. Ouais, ça va se faire au pompe là, regarde, au cac. Tu connais ma passion pour le cac. Ok, un déjà. Okay. On en a 8 à faire. Petit pépon là, tiens, vas-y, hop. Allez sur le mob qui zouk là. T'as vu le mob qui zouk? Oh, le mob qui zouk. Zouk le nain, t'es dégoûté. Par contre, quand t'es vraiment le canon du fusil à pompe dans le cul, il le vit mal le bonhomme. Ok, les deux là. Attends, j'ai C4, j'ai C4. Ah non, j'ai plus de C4. Ah putain, j'ai plus de C4. Attends, vas-y, je l'ai diverti avec du zouk. Putain, du il m'a. Du zouk, regardez du zouk. Ok, vas-y, prends le caillou. Ah, le zouk, ça les rend vénère. Hein. C'est bon. Laisse-les venir, il nous en manque plus que deux, ça va le faire. Ah oui, il se régénère aussi, ceux-là. Ok, let's go. Il y en a un près du pod. Let's go, on tape tout de suite. Vas-y, t'as ma pioche. Laisse maturer. Vas-y, encaisse les trucs. On a fini. Encaisse le dernier, là. Ouais, ça arrive. Vas-y, je te cover. Et normalement, ils vont tous crever. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau? J'ai plus une balle, j'ai une grenade de zouk, c'est tout ce qui me reste. D'accord. J'ai tout balancé, j'ai plus rien. On a fini, j'ai quand même fini à la pioche hein, pour le fun. Hein. Ouais. Bah écoute, si tu veux prendre à la limite les deux, ouais. Oh bah je vois. J'en prends deux, puisqu'on a 200 et quelques nitra. Ouais, non mais vas-y. Y'a aucun. On est bien normalement. On est large. On est large. Ouais. Bon bah let's go. Bon, on appelle une capsule. Ouais vas-y attends. Mais là. Ouais mais là-haut. Bon j'appelle. Est-ce qu'on se fait j'enterre le pack là. Je l'enterre et puis on se met en dessous quoi. Bah est-ce que t'as quoi d'effet de distance? Moi le problème c'est que j'ai que pompe et lance-grenade hein. J'ai ma tourelle quoi. J'ai ma tourelle à mettre dedans. Non mais en fait vas-y on va faire un bunker. Okay. On va faire un bunker, je vais creuser. Ok. Ouais, je vais creuser en dessous. Je comblerai avec de la poudre. Alors attends, je vais déjà faire un... Avant de le faire, hop. Et où ton entrée de bunker?
Allez, attends, là. Là, ok. Ah, attends, je reviens ah, si je peux. Ah, c'est joli, regardez, vous voyez, il fait des aménagements d'appartements. On va essayer de faire ça vraiment bien. Ah, moi, je suis le nain américain, mais lui, c'est n'importe quoi. Regardez-moi cette vitesse de construction. Bon, là on doit être pas mal, maintenant je vais faire la sortie, et après je vais faire tomber le pod. Alors, voilà, donc là vous avez un habillage des sols et des murs, ambiance mine. Très joli, hein, d'un gris calcaire appréciable. Hein. Ouais, le calcaire c'est blanc, mais bon, vu que personne ne respecte jamais rien dans les couleurs. Bien sûr, hein, le saumon c'est jaune. Il est comment le tunnel? Il est assez long là? Oh, il est pas mal, oh, c'est il bon, est... ça prend. Il est swag, hein. Ok, bah je fais la sortie. Ah bah tiens, bah elle est là, voilà, hop. Impeccable. Impeccable, ok, du coup... Attends, bouge pas, je vais essayer. Reste pas en dessous, par contre. Bah j'ai posé la tourelle, quoi. Par contre, Ah oui, t'as comblé l'esca. C'est quoi l'histoire? Attends, est-ce que je peux pas sauter sur ma tourelle, moi? Attends, est-ce que j'ai du cracheur d'acide? En fait, t'auras plus qu'à te mettre dans le trou, t'auras plus qu'à fermer ce trou. Ouais, en fait, le gros trou que je vais faire au-dessus pour faire tomber la capsule, tu vas pouvoir le reboucher. Oh, ouais, par contre, il y a un balèze. Attends, je vais le C4 pour voir. Je voulais voir d'ailleurs ce que c'est. Ah, d'accord, en fait, ça le one-shot pas. D'accord, putain. Putain, le C4, il le one-shot pas. Il fait plus. Fais gaffe, il tape. Il est bien ou quand même, derrière ce point-là. Et on pompe, mon gars. Attends. Non, non, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Commence à le monter, tranquille. Je vais pas le finir. Ah, tu l'as descendu. Ah, mais on s'en foutait. Non, mais moi, si tu veux... Non, mais on va l'emmener dans notre bunker. Ah, d'accord, mais carrément. Mais oui, carrément. Ah, non, mais le mec, il a un vrai projet, hein. Et voilà. T'es un peu furieux, en fait. T'as plus qu'à boucher au-dessus, là. Tu vois, en plus, on a même pas creusé. Bah, rentre dans le trou. Ah, demande. Ouais, mais il y a non, mais il y a l'entrée là. Pas les tops, c'est peut-être le vide. Là, bon, quand même. De toute façon, au pire, tu peux reboucher dans le souci. Hein. Si jamais t'as un doute. Garde-en un peu, c'est bon. Calme-toi. Ça ouais, j'en ai encore 24, hein, si tu veux. Donc... J'ai bourré, certes, mais il m'en reste. Hein. KT, hein. Bon, bah, on est pas trop mal. Alors, est-ce qu'il y a un trouillou? Non, ça a l'air de lui. Voilà, normalement. Bon bah voilà. Donc ça c'est une des méthodes que vous pouvez utiliser. Voilà. Exactement. C'est la merde, le terrain c'est la merde. Ah, c'est la technique allemande. Vous enterrez votre caisse dans le bunker. D'accord. Parce que nous on l'a fait à l'ancienne sans enterrer aussi. Hein. Aussi. Vous pouvez faire un bunker en dessous, effectivement. Mais si t'as fait un bunker en dessous, autant vous emmener. Juste avoir un crétin avec une batteuse et ça se passe très bien. Et si vous voulez vraiment, vous pouvez aussi par exemple fermer l'entrée. Moi je le conseille pas parce que faut quand même taper un peu les mobs. Mais au moins là on est tranquille. Je reste à droite. Hein. Alors, prévoir aussi dans le bunker éventuellement qu'il faut être un petit peu bas. Ouais, mais toi, parce que, il faut éviter que les mecs, les explosifs puissent se mettre au-dessus de vos têtes et exploser à travers la couche de roche. Donc voilà, ça faut le préciser. Ça, c'est pour répondre. Fais gaffe, Crasher. Moi, je vais pas tirer pour l'instant parce que sinon, je vais faire péter le nuage. Oh, t'inquiète, j'ai le bon. Je vais le faire péter. Hein. Ah non, mais pas. T'embêtes pas. Moi, tu sais, les balles, à partir du moment où je peux leur mettre dans la bouche là. On est bien. D'ailleurs, on voit un peu la mitraille sur le point du mur au bout. On est bien. C'est joli. Hein. Bon, là, on est en level 3, honnêtement, c'était pas nécessaire. Non, mais au moins on est posé, on est paisible, hein. Au moins ça montre à quel point, quel que soit... C'est efficace, hein. C'est efficace, et surtout c'est serein. Ah, sauf qu'il faut se méfier. Voilà, il faut vraiment se méfier parce que maintenant, en fait, le nouveau Dreadnought, enfin le nouveau Praetorien, justement c'est un peu un anti-bunker. Ah, le gros, ouais, vu qu'il faut qu'il tape. Ouais, et non, mais c'est surtout que tu peux l'avoir que par le cul, quoi. Donc en fait, s'il arrive en face de toi... Dans le bunker, ça va. Je pense que tu lances justement une grenade du zoo qui monte son cul à la tourelle et ça se passe très bien. Ah ouais. L'utilité de la grenade du zouk.
Fuel cells have arrived. Get them set up. Ah, tu nous enterres aussi? Non. Allez! Oh, on est à côté du trouillou, mec, hein. Tu nous je l'enterre aussi. Ah bah ouais, ouais carrément. Ah, attends. Ouais, mais du coup, faudrait que je fasse une autre salle aussi. Bah non, bah en fait, t'es juste à côté de notre salle, là. Là, regarde, en vrai, si tu creuses à partir de là, dessous et tout droit, je pense que t'arrives... Genre, en vrai, là où je me tiens, je crois qu'on est dans la salle, déjà. Tu vois? Là où je me tiens. Ouais, c'est possible. On est déjà dans notre salle, hein. Bah, tu sais quoi, je vais me mettre dans la salle et je vais te dire ça. Je vais te dire où est-ce qu'il est le mur. Comme ça pour le fun, on range tout. Hein. Voilà, je suis dans le coin de mur. Je sais pas où t'es, okay. Mais. Ah, tu vois, hein, je suis à côté. Hein. D'ailleurs, là c'est peut-être plus court pour toi. Tu vois là où je suis. Peut-être plus court pour toi. Ah merde, il veut pas descendre en cul. Allez, descend. Ok, moche. Ah, il redescend. Et ouais, il peut pas être loin du trou là. Attends. Je vais faire un truc. Ouais, je pense. Ouais, voilà, c'est là. Voilà. Attends. Bah, normalement, je sais même pas si. Si, on va, je vais le faire redescendre un poil. Attends, bouge pas. Décale-toi. Vas-y, hein, descends-le, hein, vraiment. Voilà. Ça devrait aller, hein. Ouais, ça va être pas mal. Good. Attends, je fais le tour. Platform up. Par contre, du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas peut-être reboucher l'entrée qu'on avait fait. Je... Non, justement, on va se mettre à notre entrée. On n'a pas besoin d'être plus d'un à surveiller tout ça. Ouais. T'as vu le niveau de difficulté, je crois que si je te laisse tout seul avec la tour, ça sera très bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément, vas-y. Je suis dans un coin. Ouais, bah écoute, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Je vois pas de fuite. Ah, je me fais aggro là. Ah, les petits machins moches là. Ouais, je suis lâché là. Je suis plus rapide. Oui, alors ça n'est peut-être pas nécessaire de... d'être aussi violent, hein. Shoot it! Bon, attends, vas-y, je vais me le faire au fond. Vas-y. À l'ancienne, au pompiste, au pompiste, au pompiste! Oh! C'est lent! Bon, allons-y, hein. Ouais, let's go. Hop là. Tu n'as pas, c'est des petites lampes à poser avec un petit comptoir et des bières. Et là, on serait bien. En gros, faudrait ramener Roscoe. Ah ouais, on tombe à un quand tu te casses. Oh là là, eh non, mais viens ici. Hein. Attends que la tourelle tire un coup. Hein. Ah oui. Quand tu tires. Pourquoi on a que deux? Bah, parce qu'on est que deux. Mais ouais, mais normalement, regarde pour le radar, il nous avait compté 4 en vitesse. C'est-à-dire que ouais, mais deux, on est deux chacun. Ah, mais c'est parce qu'il est bugué, t'es gâté. Ok. C'est une préto, elle est en train de brûler. Juste là, ça va le faire. Je vais regarder quand même. Je balance sur le smoke. Je les occupe avec un. Regarde le truc à la télé. Ah. Ce soir, c'est d'ici. Voilà, on garde d'ici ce duc. Allez. Dès qu'il se m'attire, je balance le smoke. Hop, allez. Ça va être pas mal. Fuel cells at 75%, you're almost there.
Moi, tu peux la laisser tirer un peu parce que je suis en train de regarder mes mini-jeux. Je dis ça va en vrai. Hein. Ouais. En vrai, ça va, on est pas pressé. Hein. On est tranquille. Ah, y'a un oppresseur glyphide. Y'a un gros. Ah ouais, mon pompier. Regarde le zouk. C'est pas le zouk, t'as vu le zouk? C'est ouf le zouk, hein. Allez, pousse-toi ça. Ouais, salut. Il a trouvé ça ouf le zouk, hein. Très tôt. Oh, comment il a dégagé. Il a glissé dans la lame. Allez, je vais nous creuser une sortie. T'es prêt? Ouais, j'ai tiré. Allez, on sort. Attention à celui qui attrape les gens. Hein. Attention, j'ai posé un C4. Oh, je vais faire C4, vas-y. Dégage. Vas-y. Allez, excellent. Fait. Magnifique, mon gars. Bon bah ça aura pas trop mal tenu hein, pour pas avoir fait une galerie. Ouais. Pourquoi ta peine on n'a pas encore utilisé? T'as pas vidé l'autre? Ouais, comme ça si par exemple tu te fais attaquer d'un côté tu prends de l'autre. Ok. Ça te laisse le temps de rechercher. Faut toujours écarter, enfin faut pas mettre toujours les poids de même. Parce que tu verras si jamais tu fais une mission avec un manque d'oxygène, ça peut être utile aussi. Oui, on n'est pas en situation de manque là, c'est ce que je veux dire. Là on avait fini, voilà, ça fait là. On boom, baby! Quoi, après le reste, c'est. Decom operational. Tu vois la torche qui vole? Ouais. Ah, c'est la Mactara. J'ai suivi cette phrase. J'ai regardé ma tourelle qui vient par là, t'as fait ta torche. Moi j'ai entendu ma tourette dire Paul. Ça s'est très bien passé. Dégage. Ah, il a même cicatrisé le coup. Die like your mother dead. Watch and learn. Reloading. Wet. Moi, je voudrais des missions de dératisation, tu vois. De dératisation alien. Des missions pour lesquelles tu gagnes de l'or à chaque fois que tu tues des aliens. Donc, tu descends que pour tuer des aliens. Oui. En vrai, quand tu dératises à mort, genre tu. En termes de l'or, après le jeu, tu facilites la vie au killer, quoi. On a oublié de partir. Le pote, il est parti. Bah oui. 42 secondes. Moi, je croyais qu'on attendait que ce pote là s'en aille, en fait. On est trop con, en fait, non c'est... Ouais, c'est ça. Arrête d'enregistrer. Oui, c'est enregistré, monsieur. Tu pourras dire j'y étais. Sérieux, t'as pas enregistré? Ah si, non, je te confirme, c'est enregistré, driver. Non, tu coupes. C'est mort. Ah, c'est mort. Publie tout de suite maintenant, je l'envoie maintenant. Je tag Fretiti, je tag tout le monde. La France sera. L'équipe PD sera. Mais en ce moment quand je joue, mais je fais attention à rien. Tu sais, mon cerveau il est en mode bourrin, juste fait le taf quoi. Oh, putain. Des bisous YouTube. mais tu sais quoi, si moi si ça s'affiche pas en plein milieu de l'écran en gros. C'était affiché un peu en gros à droite quoi. Ouais, je sais. Mais moi, vu qu'ils mettaient le logo de capsule sur la capsule. Alors... et que je voyais la capsule qui s'ouvrait pas, je me suis pas choqué plus que ça. Alors... je me suis dit, bon, Dreamer, il sait ce qu'il fait, quoi. Alors... moi, je vais fermer ma gueule et je vais faire mon taf, quoi, tu vois. Alors, écoute-moi, de toute manière, je pense que même les viewers seront d'accord. De toute façon, tu es le capitaine. Tu étais le capitaine, tu avais la responsabilité de cette équipe et de cette expédition. Je crois que t'as confondu avec Sea of Thieves. Je peux pas te sortir le haut-parleur pour te dire ferme-la.
Mais non, faux. Tu es responsable devant les hommes, les nains et les dieux. Et puis tu te démerdes avec ça. Et le barman en plus. Donc je me suis mis mal avec le barman. D'accord. Ah oui, carrément, je pense. Hein. Je pense que c'est grave. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là, c'est incroyable. Et du coup, on débloque. Ah oui, il faut débloquer les bières. Ok, faut acheter. Pour améliorer le débit d'alcool. Mais c'est excellent. Et améliorer la licence du débit d'alcool après. Quoi ces conneries ? Je comprends pas tout. Mais bon, on verra ça une fois prochaine. Des bisous YouTube.